Elle voulait voir à l'écran certaines parties des livres qui ne fonctionnent tout simplement pas dans un film, comme des monologues intérieurs qui sonnaient incroyablement ringards. Cela ne marchait pas de dire des choses à haute voix. Donc, ce fut une bataille permanente. La veille au soir, je réécrivais des scènes avec les anciens dialogues pour pouvoir ajouter une ligne ici et là. C'était le chaos tout le temps. J'avais su à l'époque ce que ça allait être, je ne pense pas que je l'aurais fait. Mais personne ne l'aurait fait. Tout le monde aurait trouvé ce truc psychotique. Mais au bout du compte, je ne regrette pas.